date 13 décembre 2017. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH pour Asoya. Et Kounia, nous pour le présenter au grand titre. Visite officielle, président République la Jovenel Moïse, en Europe la pra poursuivre. Délégation présidentielle arrivée mercredi 13 décembre dans Bruxelles, pays Belgique. Ministère économie et finance, l'ouvri jeudi à dans Pétionville, un atelier pour garder et puis passer main dans projet Banque mondiale avec la Banque interaméricaine développement à financer dans le pays. Financement de l'hôpital, accent de santé dans la zone frontalière, au Ténamitan, yon Chita Palais, mercredi 13 décembre, non, entre Commission Santé dans la Chambre députée, avec un représentant Organisation Mondiale Santé OMS, Organisation Panaméricaine Santé, avec un Fonds Nations Unies pour Population. Toute disposition déjà prend pour ouverture 48e session Assemblée parlementaire Afrique-Caraïbes-Pacifique, vendredi 15 décembre, non, à 34e session Assemblée parlementaire ACPUE, lundi 18 décembre, Cap Vinila, dans Port-au-Prince. Cérémonie remise prix Digicel Entrepreneur déroulée jeudi à Port-au-Prince. Responsable Chitaïla, Dr. Harry Beauvais, c'est gagnant Digicel Entrepreneur Anissa. Et puis, démocrate Doug Jones a remporté l'élection sénatoriale dans l'État Alabama, dans le pays États-Unis, face à rival républicain Roy Moore. Restez avec nous, amis TNH, Tissa Campil, notre sujet pour le développer dans le journal pour jeudi. Et je nous ai annoncé la visite officielle président République, la Jovenel Moïse, dans l'Europe, là, à poursuivre. Délégation présidentielle arrivée mercredi 13 décembre, dans Bruxelles, pays Belgique. Pour première journée de travail, le chef de l'État, qui vient avec lui, un groupe entrepreneurs haïtiens, t'es rencontré plusieurs chefs d'entreprise pays Belgique. Discussion était centrée sur possibilité pour consolider échange commercial en deux pays. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Avec une place 13e exportateur mondial et puis 11e importateur pour l'année 2016 là, pays Belgique représentait une bonne opportunité pour Haïti en termes échange dans affaires business. Échange qui permet un groupe chef entreprise européen venir en Haïti pendant l'année 2018 là pour garder possibilité qui gagne pour faire business sous marché a. Haïti bon côté parle a capable fournir sous marché européen diverses qualités produits. Pour délégation haïtienne là, voyage d'affaires ça marqué un bon point pour Haïti. J'aime suivre la présentation du président de la Chambre de commerce Berger, voir côté Mounsa Soti, route que vous parcourez, quantité d'expérience que vous gagnez et performance que Mounsa a gagné en fait sur le marché international. Je pense que Haïti a tout à gagner. Et je trouve que Berger est assez motivé, très intéressé. D'ailleurs, je fais rencontrer trois là qui disent que réellement intéressé pour investir en Haïti toutes les fois que les conditions sont réunies. Et très bientôt, on va prévoir une visite de prospection en Haïti pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Pour ça, nous vivre, pour ça, nous entendre, je pense que c'est un nouveau départ. Chance nous avons un président qui était déjà dans l'entrepreneuriat. Et puis, je vous dis, il est monté avec toute l'équipe là, mon ouais vérité. Yo wè que Haïti décide de travailler, nous pas venir là pour nous demander ni prêter ni assistana, mais nous venir chercher une coopération avec monde qui déjà dans domaine yo déjà et puis qui capable nous comme si m'ta cap dire un moyen pour nous relancer économie nous parce que vraiment bah yo était très mal dans pays. Nous rencontrer d'autres entrepreneurs qui a travaillé en Haïti la question électricité, la question énergie. Donc pour faire énergie, des fois yo passer à et énergie au niveau hydrique pour utiliser de l'eau pour capable faire ça. Donc nous parler avec yo pour nous voir comment nous même nous capable de travailler en réforestation pour que une capable gagner de l'eau en quantité pour que les gagner la pluie de l'eau n'est passé pour la pour yo aller dans rivière pas de l'eau encore pour être capable de venir de l'eau pour que vous capable de faire ça et tout nous parler en termes de qui plante pour vous planter parce que des fois il n'y a pas qu'on qui plante pour vous planter pour être capable de faire conservation donc nous discuter de tout ça. Dans l'intervention, le chef de l'État a présenté une liste projet prioritaire administration l'empêcher sous vous tant que maîtrise et gestion de l'eau, énergie à bas carbone, environnement et agriculture. Président Jovenel Moïse vend marché haïtien. Commune n'a pas bon côté, yon entrepreneur qui a fait business dans Caraïbes là. À nos priorités,
j'ajoute le tourisme. Haïti est la plus belle, la plus magnifique île des Caraïbes. La perle des Antilles. Vous vous souvenez? En plus, elle possède une culture riche dans les arts, dont sa peinture et sa musique, ainsi que sa cuisine. La splendeur de ses plages, l'hospitalité légendaire de notre peuple, fait de Haïti un pays à découvrir. Haïti, ce n'est pas les images négatives colportées parfois dans la presse. Ce n'est pas seulement la région de Port-au-Prince. Ce sont 27 750 km². Dans un compte ça, homme d'affaires de pays a eu plusieurs intérêts communs. Débat était fait facile. Il était question de vente d'équipements lourds, produits pétroliers, hôtellerie, produits énergétiques et agricoles. Toute disposition déjà prend pour ouverture 48e session Assemblée parlementaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, vendredi 15 décembre, non? Attendre 4e session Assemblée parlementaire ACPUE, lundi 18 décembre, qui a venu là, dans Port-au-Prince. Changement climatique, choléra, question et stabilité politique fait partie divers thèmes qui pourraient faire débat dans l'Assemblée, ça d'après député Price Cyprien, qui s'est président Assemblée parlementaire ACP en Haïti. Activité SAO qui commençait lundi 13 décembre, non? D'où est fini 20 décembre, qui a venu là, d'après député Cyprien. Il y a un extrait dans le micro. Ils ont eu réélu ça avec Evan Joseph. Aujourd'hui, nous sommes en Haïti en train de réaliser deux événements majeurs. Tout d'abord, la 48e session de l'Assemblée parlementaire des pays ACP. Et à partir de lundi, ce sera la 34e session de l'Assemblée paritaire ACP Union européenne. Donc, on a commencé ce matin avec les réunions de la Commission des affaires politiques. Haïti représenté dans la Commission des affaires politiques là. Et matin là, nous t'es intervenu pour nous parler de situation politique en Haïti. Côté nous t'es démontré que journée jodian situation politique là relativement stable. Mais sous l'instigation de nos amis, nos collègues du Parlement, il y a deux points essentiels nous toucher, particulièrement point question choléra. Nous t'es profité tout pour avancer sous question réchauffement climatique là. Vous savez que normalement, il y a un fonds qui est disposé pour ça, où on va essayer de voir comment venir en aide aux pays des petits États insulaires qui sont particulièrement touchés par le réchauffement climatique. Et à ce niveau-là aussi, les pays de l'ACP vont nous aider pour voir comment on va pouvoir aider Haïti. Donc, qui vient nous commencer Assemblée ACPO? C'est toujours Commission réunie dans le premier jour. Et vendredi matin, nous allons gagner une grande plénière pour l'Assemblée ACPA, grande plénière. Là, côté, nous allons gagner intervention président Scholz-Versancy qui sera là comme président Chambre députée. Et nous allons gagner toute intervention au niveau de certains membres de l'ACP. Et vendredi matin, et nous prenons le travail sous tout travail que la commission a fait pour nous préparer réunion pour samedi matin. Donc, il y a plusieurs réunions comme ça. Et à partir de lundi, nous prenons le gagner et le Parlement européen qui va rentrer en ligne de compte. Là, c'est pays ACPO seulement, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui a réuni jusqu'à dimanche. À partir de lundi, pays européen pourra rentrer en ligne de compte. Nous prenons le gagner 34e assemblée paritaire ACP Union européenne. Donc c'est ça, nous allons gagner ces menus jusqu'au 20 décembre. Nous allons travailler en ce sens. Président Commission Santé dans Chambre députée Assinal Bertrand, je suis à parler mercredi 13 décembre avec représentant Organisation mondiale santé OMS, Organisation panaméricaine santé et Fondation Unie pour population sous financement l'hôpital Accent Santé dans zone frontalière. Rencontre ça réalisé pour porter réponse à la décision République dominicaine prend pour pas accepter femmes enceintes dans zone frontalière traversée à Alpranson et la Kaili. Député Sinal Bertrand expliqué, représentant institution ça a montré qu'il voulait supporter le ministère de la Santé publique dans des massila. Un extrait d'un micro Fédéral Confident avec Moïse Rubich. UNFPA, ça nous le FNUAP, et puis représentant ministère là, c'est concernant décision République dominicaine de prendre compte et formation.
Je pense que c'est pour une réunion politique, mais elle plus technique. Je pense que UNFPA a un coup de chapeau pour lui parce qu'il est disponible pour lui non seulement supporter en matière d'intrants, lui a toujours supporté selon nom lui, le monde qui est en service social, mais tout lui a supporté en déploiement et sage-femme, etc. Même une clinique mobile, il y a qui est disponible jour et jour pour aller sous frontière. Pour nous garder femmes enceintes, nous consultation prénatale, en nutrition, en violence qui est basée sur gens, etc. Ça veut dire journée et jour, je pense que nous très avancés. Nous avons OPS, OMS qui mettait un fonds disponible déjà. Nous avons UNICEF qui dit qu'il est très prêt pour avancer ensemble avec. Je pense que c'est un compte qui va faciliter le ministère d'ici janvier pour nous avoir des représentations sur frontière là, vous avez dit, dans l'institution sanitaire, en matière de personnel entrant et puis et équipement. Donc, un budget santé publique, c'est 4,3% qui ne pas prévoit rien sous bagage comme ça. Nous avons deux députés corses qui sont députés dominicains qui font déclaration hier en Italie pour dire Saint-Domingue n'a pas capable de dépenser 5 milliards de pesos pour nos femmes haïtiennes. Vous comprenez, c'est un bagage qui est à la main. Son bagage qui est humiliant pour la République dominicaine aller dans ce sens-là. Alors que le budget global santé publique, non, c'est 6 milliards de gouttes. Alors que yo même dit qu'ils ont dépensé 5 milliards de pesos pour nos femmes enceintes. Moi, c'est journée aujourd'hui, la commission a joué un rôle de facilitateur entre international là. Parce que c'est différent. Le ministre n'a pas parlé de tout bagage. Il y a un premier ministre pour respecter. Il y a un président pour respecter. Nous, même ici, nous parlons à cœur ouvert. Si nous commençons à jouer un fonds, nous allons toujours continuer à jouer un fonds. Il y a $300,000 américains qui sont pour un projet binational et sous Nord-Est. Je veux dire, nous avons supposé sensibiliser UNFPA qui est déjà prêt, UNICEF qui dit qu'il est prêt, mais pour qu'on dit ensemble des bagailles. Nous gagnons l'Union européenne qui dit qu'il est prêt pour avancer. Nous gagnons BID qui est prêt pour avancer. Je pense qu'au-delà des budgets, nous allons sensibiliser la commission présidentielle santé pour garder qui s'en a joué nous-mêmes, parce que l'international a toujours voulu, faut mettre au faut bien apport par où, mais on a continué à sensibiliser l'international à cœur ouvert, j'en parle direct ici, pour garder si nous avons joué un petit cobre pour les gens qui souffrent au moins, pour qu'ils puissent accoucher dans le pays sans pas besoin de traverser là-bas. Et l'hôpital Saint-François de Sales, dans tête collée à la Catholic Health Association, organisé mercredi 13 décembre, il y a un séminaire formation pour infirmières qui sont dans l'hôpital. Le séminaire ça rentré dans quatre démarches responsables de l'hôpital Saint-François de Sales à mener pour faciliter plusieurs autres infirmières qui ont plus de connaissances dans les méthodes qu'ils doivent appliquer pour réanimer les gens qui ont des problèmes respiratoires en Haïti. D'après la directrice soins infirmières dans Saint-François de Sales, Marie Faïde Célan. Jenny Arbicasséus avec Lourdes Ali Jean-Jacques a présenté un reportage en suivre. C'est au total 10 infirmières qui ont participé dans le séminaire formation sur réanimation cardio-respiratoire. Ça. À partir de formation, ça, professionnels de santé l'hôpital Saint-François de Salio pour avoir plus de connaissances sur comment et qui les aider les gens qui ont un problème respiratoire. Aujourd'hui, c'est une formation de préparation. Donc, nous avons fini. Nous avons d'autres étrangers, il faut me dire que nous avons des partenaires. Nous avons d'autres étrangers qui sont venus pour finir la formation, côté que nous avons une certification pour que les gens qui prennent formation, 10 infirmières, viennent des formatrices certifiées au niveau national. On a dit des formatrices et certifiées nationales. Ce qui gagne la donne, c'est que l'homme ne peut pas réagir, qui sont pour faire pour lui. Et qui ça pour faire si c'est un adulte, si c'est un bébé et si c'est un petit monde. Donc c'est tout ça qui en dans, on a dit, journée 1 que vous allez parler de lui. Pour réanimer un monde qui n'a pas respirer ou capable de faire bouche à bouche avec lui, ou soit faire compression pour lui avec lui, d'après un participant, Cynthia Calixte. Tant que vous montrez la pratique, là, le, face à un monde qui a un arrêt cardiaque ou bien un jeune homme à terre, donc peut-être que c'est ça qui fait le tomber, peut-être qu'il faut un arrêt cardiaque. Alors, premier bagage pour faire, vous devez chercher aide avant même que vous commencez à être malade. Là. Chercher aide, là, mouer, dire, porter un secours, et puis après que nous venons sur malade. Regardez si vous avez un bagage capable de faire que vous-même tout en danger. Et puis après ça, on commence à faire compression pour mon homme. Si c'est un adulte, 30 compressions, 2 bouche à bouche, comme vous dites, 2 insufflations. Si c'est un petit monde, là nous disons un petit monde, là, pas un petit bébé,
OK? Oui, un adolescent, merci. C'est 15 compressions pour 2 insufflations. Infirmière Sayo, cap gen poursuivre plusieurs autres formations sur réanimation cardio-respiratoire. A bien pour mission partager sa yo recevoir dans séminaire ça à l'autre infirmière selon responsable hôpital là. Et comme noté à Nansoli, compagnie téléphonie mobile Digicel a organisé mardi 12 décembre une cérémonie remise prix concours Digicel entrepreneur l'année 2017 là. Sous 25 finalistes nationales, Digicel remet by 5 gagnants trophées dans catégorie agriculture et environnement, construction et industrie, services, AC AMIJ. C'est Dr. Harry Bouvet, responsable Santé Haïtien Investigation AC Traitement, avancé dans l'infertilité, qui prend prix Digicel Entrepreneur l'année 2017. Là. Nous invitons à suivre un reportage avec Roosevelt Desrosiers AC Junior Avril. Surprise, suspense, cri qui est content. C'est parmi diverses émotions qui t'ont marqué cérémonie remise prix concours Digicel entrepreneur l'année 2017 là. Chaque gagnant dans concours ça t'a exprimé dans façon payo reconnaissance envers Digicel à clients qui participaient dans succès business yo. C'est qu'a gagnant Digicel entrepreneur l'année 2017 là en même temps gagnant catégorie service là docteur Harry Bouvet qui responsable centre haïtien investigation et traitement avancé dans infertilité Chitay gagnant catégorie agriculture et environnement Hans, Gilbert et Patrick Couley, cap dirigé Taino Aqua Ferme, gagnant catégorie construction, Brandon Booster, dirigeant Verhaus Voda, gagnant catégorie industrie, Marthe Fortuné Doreus, qui gagne entreprise Madame Elie Dubon Crémas, et gagnant catégorie émergent, Valérie F. Adrien, dirigeant United Shipping and Logistique. Je dis bon Dieu merci d'abord, qui va me possibilité à ce pour moi là. Et moi, je dis Digicel, merci, merci, merci oh, pour le grand projet ça. Et pour le grand, comment tu as dit, moi, je ne veux mon mot. Pour moi, je dis Digicel, merci. Merci parce que je pense avec nous, les entrepreneurs, ok? Dans tout côté, nous, il y a que la chercher, nous, il y a un gros projecteur là sous nous qui permet que nous venions plus possible et visibilité, permet que un peu le monde vienne connaître nous. Ce concours est C'est une initiative qui encourage les entrepreneurs. Nous, comme entrepreneurs, nous savons toutes les difficultés que nous avons, surtout en Haïti. Je profite pour adresser avec respect et admiration à tous les finalistes et tous les autres entrepreneurs qui ne sont pas là avec nous. Déjà, nous sommes des gagnants. Je veux féliciter tous les participants qui étaient là. Parce que je m'apprends en pile de eux. Je m'apprends de eux que bon paquet de bagages qui a passé la pays. Le pays a bougé. Le pays a bougé en pile parce que. Tout entrepreneur qui était là, il était venu avec des bagages nouveaux pour Haïti. Et si il y a un bagage qui est important que nous avons dit que Digicel fait là, apprenons-nous. Digicel apprenons-nous que pays pour l'avancer vite, entrepreneur, il faut que nous levions comme nous. Chaque fois, nous avons un rêve en tête, pas hésiter, avancer, foncer. Et combat qui pour faire Haïti changer, son combat pour mener quartier après quartier. Quartier après quartier, ça veut dire que ça, chaque idée, chaque sujet, on monde, chaque fois nous voyons que le pays est indépendant d'un domaine bien déterminé, il faut nous essayer de rendre le pays indépendant. Entreprise en Haïti joue un rôle essentiel dans le développement du pays, d'après le président directeur général Digicel. C'est peut-être ça, Anessa Martin Boutkoué, il était important pour qu'on croit encourager les entrepreneurs, partager Yuna Claude, ça yo connaît. Pendant qu'il y a metté nouveauté dans la façon dont il y a fonctionné. Le succès en affaires consiste à offrir quelque chose de nouveau. Un nouveau produit, une nouvelle idée, une nouvelle approche de ce que le marché demande. Certains croient que le projet relate du fait d'être visionnaire. Pour d'autres, il s'agit d'être innovant. Ceux qui privilègient la collaboration en équipe, à leur tour, parlent de créativité et d'idées émises par tout et chacun. En réalité, toutes ces choses sont liées entre elles, autour d'un point commun qui est le savoir. Avec tous ces signaux positifs d'une Haïti qui change, je suis en mesure de dire fièrement que Digicel promue un modèle d'entrepreneuriat qui mène à la création de vrais emplois, ainsi qu'à la stabilité économique. Votre mission en ce sens est vitale pour l'avenir d'Haïti. Représentant président de la République, là. Dans la cérémonie remise prix concours Digicel entrepreneur l'année 2017, la ministre planification et coopération externe, Aviol Flairant, applaudit
Digicel pour initiative ça d'après lui cap fait promotion valait dans société a. Ministre Laurent déclaré gagné dans concours ça c'est une source inspiration pour plusieurs autres monde. Je profite de l'occasion pour exprimer les mots de satisfaction du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, qui prend part actuellement au sommet européen mondial sur le financement de l'action climatique. Il a parlé du sommet sur le financement de l'action climatique. Il y a lieu de voir une approche croisée entre la promotion de l'agriculture, de l'environnement, des services, de l'agro-industrie, de l'émergence que fait aujourd'hui la Digicel. Je m'en voudrais de ne pas saluer cet effort, de ne pas dire à chacun des participants à ce grand concours Digicel Entrepreneur de l'année que vous incarnez ce rêve de l'haïtien de l'arrière-pays, que vous incarnez ce rêve de chaque haïtien de l'an 2050, l'an 2070, lorsque nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants verront le soleil du développement briller. Concours Digicel Entrepreneur l'année 2017 là, t'es lancé dans le mois de juin. L'idée roulée sous thème transfert connaissances. Plus passé 200 entrepreneurs t'es participé dans le concours ça. Pour qu'on y en ait demandé pour être avec nous parce qu'on a passé dans la page publicité à notre dans un petit moment. Caoutchouc chine top tête chat chat encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taïez pour mettre en bas votre machine ou ou à venir de tous côtés pour les caposer. Ok. Pas oublié, top taïez. C'est fun wash, chire route, coche clou. Ah, gonji boule m'bajwe. Vendez-moi 4 caoutchouc. De quel grosseur vous voulez? Quoi? Top tire, c'est fun wash, chire route, coche clou. Chaque jour dans la vie, ou bien pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui pour mener un plus loin. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque jour. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité la entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évolier, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil à toute machine. L'IPAP jamais la guerre dans route. Et l'ICE partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que l'on perd ça au fin de payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre des data avec des data fini. C'est Digicel qui va rollover illimité sur data avec limite. En effet, nous voulons prendre un gros loi avant de expirer et puis qu'il met tout ça au fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh! Les rêves ou vignes réalité nous a fait la santé?
Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre les portes bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies en cours, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Ruyel Mairie numéro 12. Ou bien relé dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site l'entour. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Ma chaîne vient baisser chalet. Envoyez au jugo, jusqu'à Pigou. Jugo, pour moi chaque jour. Jugo, et c'est ce jus que t'aimes faire joujou. Envoyez au jugo, c'est chaque jour, c'est journée, à travail, pour le barou. Oui, bonjour, produit de qualité. Mais jugo, et bon jus, et Pigou, tu savais. Mambo, anana, tout le monde, salve. Oui, envoyez au jugo, si vous le remède. Hugo, c'est un produit séjourné. On va poursuivre avec information. Merci pour fidélité et attention. Ministère économie et finance a organisé un atelier restitution mercredi 13 décembre. Dans l'idée pour présenter un nouveau plan d'action avec une stratégie sous application loi 4 mai 2016 par rapport à l'élaboration et l'exécution sous loi financière. Dans ce sens, le directeur général budget Jean-Michel Silin fait qu'on est atelier ça rentré dans le cadre de réforme budget éducation et administration publique pour un meilleur plan d'action dans l'utilisation budget à l'État haïtien. Un extrait dans la déclaration Jean-Michel Silin, dans le micro d'Aline Dorival avec Hervé Pierre. L'État haïtien a publié une loi qui, le 1er février 2017 sous élaboration et exécution budget à l'État. Nous connaissons que le budget à l'État, pour l'exécuter, pour le préparer, pour le contrôler, il faut qu'il y ait une loi qui régit et toute activité ça. C'est dans le cadre de ça, la loi a sorti. Nous avons une assistance technique pour nous faire une stratégie de mise en œuvre parce que c'est une loi pas qu'à appliquer du jour au lendemain. Là, prend temps, c'est de manière progressive. Et bien, nous réunissons matin pour nous présenter un plan d'action, comment nous appliquer la loi ça pour nous passer du système budgétaire que nous avons connu, qui est un système budgétaire axé sur les moyens, à un système budgétaire axé sur les résultats. Ça, nous avons fait la matin, c'est la réforme budgétaire qui passait à travers la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Et qu'à Haïti, organisé une journée réflexion sur protection sociale en Haïti, mercredi 13 décembre dans le Calio. Plusieurs institutions qui travaillent sous affaires de monde, d'un coup, on a en fait massé à UNICEF, CNN, participé dans la rencontre. D'après Carl Frédéric, directeur PICAR, avec Pierre Eco Audenay, directeur TSPS, il a expliqué protection sociale là pour aider les gens qui sont vulnérables dans la société. Cet atelier d'échange, si vous voulez, c'est un. S'articule autour de la protection sociale. Et nous savons tous que la protection sociale, c'est un droit humain à part entière qui appelle à des mesures structurelles. Et donc, il s'agit vraiment d'avoir une synergie entre les différents acteurs étatiques haïtiens afin d'avoir un système national efficace et équitable. Et donc, c'est pour ça que nous avons invité les différentes entités et leurs représentants qui sont les acteurs principaux dans le système de protection sociale dans notre pays. Puisque c'est un élément fondamental dans la question des droits humains, parce qu'il ne faut pas dire respecter les droits humains, pour normalement, on n'a pas gagné. En protection de vie, protection un système d'assurance de santé par exemple. Moun n'a pas gagné accès à l'éducation. On va dire protéger droit moun pour moun n'a pas gagné accès à un minimum vital. Donc nous pensons que tout élément ça qui intégré dans protection sociale là, donc il mandé que pour nous marier deux thématiques ça, protection sociale et droits humains et droits humains et c'est dans le contexte ça nous encourager qu'Haïti à organiser activité ça et le ministère des Affaires sociales
bah, tout support dans le cadre assise qu'on organise aujourd'hui. Et chaque fois qu'on parle de protection sociale, nous avons deux aspects de la protection sociale. Nous avons un aspect sécurité sociale et nous avons l'autre aspect qui est assistance sociale. Donc, sécurité sociale en Haïti, normalement, il y a deux institutions. L'État préposé qui occupe le secteur formel, là. C'est ONA et OFATMA. L'autre sujet, non journal, espace de réflexion et d'action de la jeunesse haïtienne, organisé mercredi 13 décembre dans une conférence débat dans l'Institut national gestion et études internationales INAGUE. Conférence à déroulé sous thème gaspillage à fonds pétro-caribé, qui est-ce qui est responsable et qui est en jeu pour le peuple haïtien. Vice-président du Sénat République, là, Jean-Marie Junior Salomon, tes principal intervenant dans la conférence là, Ahmed Hickenson et Dumé. Ils ont compte rendu à Caroline Linouel et Laure Darly Jean-Jacques. D'après président Conseil exécutif, espace réflexion et action jeunesse haïtien, Lionel Saint-Félix, conférence de Bassa fait dans l'idée pour expliquer sans force côté en gestion fonds pétro-caribéo. Lilié tout avec l'idée qui considère l'université comme espace réflexion et débat contradictoire. Nous organisons pour nous dire population qui ça. Pour nous dire population qui origine fonds pétro-caribéo. Pour nous dire population comment font ça. Utilisé pour une population qui est qui responsable. Mais qui est qui responsable? Ce n'est pas indexer monsieur Intel, ce n'est pas indexer madame Intel, mais c'est monde qui est en fonction. C'est peut-être ça nous pas citer. Non, personne, donc nous juste parler de fonction. Principal intervenant conférence là, sénateur Jean-Marie Junior Salomon, souhaitait réflexion lio, est-il participant? Yo? L'université, c'est un espace de débat contradictoire, son espace d'analyse. Le sénateur Salomon, c'est un jeune intellectuel. Et moi, j'étais content pour me répondre à l'invitation ça que INAGUE t'a fait. J'espérais que je ne pas prêcher dans le désert et graines qui semaient au bras germer pour que enfin nous ayons cette nouvelle Haïti tant rêvée. Conférence là qui déroulait devant une assistance composée principalement étudiants, c'est occasion pour doyen INAGUE, Robert Joseph, remettre plaque honneur et mérite. Ben, professeur Hickenson et Dumé, et sénateur Jean-Marie Junior Salomon pour engagement dans la société. Et directeur général d'entreprise publique avec promotion logement social, Yvon Busseret, dans le cadre d'une cérémonie, remet plusieurs clécailles par divers bénéficiaires dans Wanamet. Yvon Busseret expliqué, président République, la Jovenel Moïse, a continué à accompagner EPPLS pour permettre à monde dans la population dans toute commune bénéficier caille dans le cadre d'un projet logement social. Reportage Saint-Croix-Paki avec Wilson Idori. Nouvelle village Wanamesa gagne la danse 182 cailles, c'est entreprise publique à promotion logement social EPPLS qui construit Kaysayo pour moun nan population an, nan kat projet création ak géré logement directeur général EPPLS la Yvon Busseret nan moment l'état promet clé Kaysayo bay bénéficiaire yo expliquer initiative ça entre nan cadre politique logement social gouvernement. Une remise clé je dis a fait dans village Wanamet qui gagne 182 bénéficiaires. Et surtout, c'est la politique logement social gouvernement Moïse Lafontaine. Eh bien, président Jovenel Moïse, il fait des logements sociaux une priorité pour lui. Parce que dans le cadre de politique protection sociale, président Jovenel Moïse, là, eh bien, il connaît que l'affaire logement social là, il a une importance capitale. Où nos pays ont pile problème de logement. Mais je veux dire, remise clé ça là, il y a une droite. La politique et logement social gouvernement Moïse Lafontaine. Nous avons fait remise clé déjà pour Villa et Terrier Rouge. Mais je dis à c'est Wanamet. Et bien, président Jovenel Moïse, c'est un premier président qui a importance comme ça à faire logement social et qui vraiment fait des PPLS une grande institution. Il a commencé dans la grande danse avec la construction de 2000 logements. Le travail a commencé déjà dans le Fonds Rouge. Nous avons construction environ 2000 logements qui vont le faire. Dans Cité Soleil, il y a un village qui va le faire pour les policiers, pour les professeurs. Et c'est à travers tout le pays que le président Jovenel prend engagement pour construire le logement social. Et parce que le président Jovenel te dit que l'olfin président il va le travail pour améliorer les conditions de vie des peuples haïtiens. Député circonscription Wana Metlan, Florville Elisma, félicité le projet logement social ça qui atterrit dans la commune Wana Met
Pendant l'IDI, la continue à courir action gouvernement. Gouvernement et Jovenel Moïse là, qui toujours gagné dans la review pour capable changer ça dans le pays d'Haïti. Et finalement, le président Tedil, les fait. Tedil a retiré les gens qui sont dans la rue. Il a mis manger dans l'assiette des gens qui ne peuvent pas manger. Il a mis l'argent dans la poche. Les gens qui ne peuvent pas manger. Il a voué les gens à l'école. Les gens qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, il a crié. L'hôpital a crié. Sans santé, pour être capable de jouer un moyen pour jouer la bosse de la santé. Je vous dis, c'est dans le village. Nous allons mettre la nouille, nous venons inaugurer, nous venons remettre la clé à bénéficiaire. Donc, chaque monde là, je vous dis, est content. Et vous voyez un gros coup à Ibobo pour le gouvernement Jovenel et La Fontaine, qui font un travail opère pour la population. Bénéficiaire, remercier le président républicain Jovenel Moïse, qui fait le logement social là, une priorité. Pour continuer à accompagner la population. Je dis merci au gouvernement Jovenel Moïse. Merci à tout le monde qui t'a voulu de m'goumer après qui volonté casse caïman. Merci magistrat Foun, merci magistrat Amos, merci Seouz. À tous les amis Seouz Jounet, le monde qui t'a goumé en danger là, qui t'a pour faire bénéficier. Je vous remercie Jovenel Moïse. Président, ensemble avec tout le monde, tout le populaire, tout le monde et le peuple national. Merci en ville. Oui, merci président. Je dis que le président Jovenel Moïse qui permet que je gagne. Parce que le président Jovenel Moïse nous a voté, ça a fait me sentir qu'il a fait un grand travail pour les haïtiens, haïtiennes. Parce que il y a un peu de monde qui n'a pas gagné accès économique qui a fait un caille. Mais je veux dire, chaque monde a un clé dans le même personnellement. Et moi, dis président, merci et me félicite l'ambulance pour le grand travail. Chaque unité Kaysayo coûte l'État haïtien $13,000 américains qui gagne deux chambres, trois toilettes, cuisine avec un système inverteur. Et puis, le ministère de l'économie et des finances l'ouvre mercredi 13 décembre dans Pétionville. Il y a un atelier pour garder et puis passer main dans un projet Banque mondiale avec Banque interaméricaine de développement financier dans le pays. Projet dans le secteur transport de l'eau, assainissement, agriculture, éducation, santé, c'est parmi les projets qui sont discutés dans le premier journée. Atelier, ça représentant chaque ministère dans le secteur qui gagne un projet, ça a mélangé avec un représentant institution financière internationale, a discuté pendant deux journées. Et dans une note, Conseil national télécommunication fait sortir 7 décembre passé, il demande à tout propriétaire de station radio qui gagne dans le pays, qui a une autorisation pour fonctionner, pour passer dans le bureau, réclamer licence qui a joué pour fonctionner. Et ça, en attendant, le service administratif qu'on a facturé avec un nouveau barème qui est en fonction. On a fait un petit coup de pied qu'on y a dans le pays, l'autre bord de l'autre côté, candidat démocrate, la Doug Jones. Remporté élection sénatoriale en Alabama à 49,9% voix, yo m'a dit 12 décembre. Nan. Tandis que rival républicain Lee Ramon, qui était soutien président américain, totalisé 48,4% Ramon refusé reconnaître défaite liantive. Doug Jones remporté élection sénatoriale en Alabama mardi 12 décembre 2017 là, rival républicain Lee Ramon refusé reconnaître défaite li. Candidat conservateur Ramon estimé résultat serré, faut que nous tenne processus là arrivé dans bout li. Accusation agression sexuelle qui sous dos candidat républicain t'a expliqué victoire démocrate là dans état ça depuis 1992 qui nan main conservateur yo. Nous toujours pensé dans Alabama moun yo gen plus bagay ensemble parce yo divisé. Nous montrer tout le monde nous capable de mettre tête nous ensemble. D'après résultat qui potait sous 100% bureau vote, démocrate la Doug Jones fait 49,9% voix contre 48,4% pour républicain Ramon. Ramon déclaré la tonne un signe bon Dieu. Président américain Donald Trump qui était soutenu Ramon félicité à qui ont tweet Doug Jones pour élection li côté il précisait républicain en Alabama a besoin une possibilité pour y présenter dans élection encore. Et puis, chef diplomatie américain Rex Tillerson, invité Corée du Nord sous table négociation. Yo. Rex Tillerson n'a pas précisé aucune condition pour négociation. Ça yo. On suit. C'est pour la première fois, chef diplomatie américain Rex Tillerson, invité Corée du Nord sous table négociation sans pas bailler aucune condition. Raconte ça pour permettre au moins nous mettre nous d'accord sur une feuille de route, selon Rex Tillerson.
D'après Rex Tillerson, nous parions pour organiser une réunion avant tout sans condition, pour nous rencontrer, pour nous parler sur n'importe sujet, mais au moins nous rencontrer pour nous connaître ça nous voulons. Pays États-Unis était attendu pour Pyongyang renoncer à l'examen nucléaire. Rex Tillerson fait connaître la continuer à agir fort diplomatique pendant qu'il était confiant dans la réussite pression internationale. Sous Bhopal, Kim Jong-un fait connaître la fait pays la tournée en grande puissance dans le domaine nucléaire et puis gagner plus gros force militaire dans le monde pour y sortir vainqueur face aux États-Unis. Et puis, nous avons la caille une fois qu'on est Urani Saint-Ville, qui a 84 l'année, il habite Nazon. L'équité Kaili, du génie Saint-Ville, m'a dit n'importe monde qui t'a rencontré Urani Saint-Ville pour t'arriver dans le numéro Sayo 34 46 37 90 ou 37 28 04 43. Voilà, amis TNH, c'est là, nous allons mettre un bout à journal là. Mais avant, nous allons prendre un temps pour nous dire bon anniversaire de naissance à directeur information, nous, Serge Nolendor, que grand maître là, protégé, regardé de année en année. Bon anniversaire encore. Et pour qu'on y a, nous allons présenter au grand titre. Et pour rappel Titio, n'a fois qu'on a une visite officielle président de la République la Jovenel Moïse en Europe là après poursuivre délégation présidentielle arrivée mercredi 13 décembre en Bruxelles pays Belgique. Ministère économie et finance l'ouvre jeudi à dans Pétionville un atelier pour garder et puis passer main dans projet Banque mondiale et Banque interaméricaine développement à financer dans pays. Financement à l'hôpital, accent santé dans zone frontalière, au Ténamitan, yon Chita Palais, mercredi 13 décembre, entre Commission Santé dans la Chambre députée et représentant Organisation Mondiale Santé, OMS, Organisation Panaméricaine Santé et Fonds Nations Unies pour Population. Toute disposition déjà prise pour ouverture 48e session Assemblée parlementaire Afrique, Caraïbes, Pacifique vendredi 15 décembre, non, à 34e session Assemblée parlementaire à CPUE, lundi 18 décembre, Cap Vinila, dans Port-au-Prince. Et puis, cérémonie remise à prix Digicel, entrepreneur déroulé jeudi à dans Port-au-Prince, responsable Chita et la docteur Harry Beauvais, c'est gagnant Digicel, entrepreneur à Nessila. Démocrate Doug Jones a rapporté élection sénatoriale dans l'État Alabama, non pays États-Unis, face à Krivali, républicain Ramour. Nous sommes contents pour tes informations à la CAU. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.